from the shuttle. Bonsoir. 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 C'est l'équipe 1, la saison 1, et l'équipe 2, saison 2. C'est parti. Vrai ou faux? Le nyctalope est un antilope d'Afrique. Faux. Bravo, bonne réponse. Ah. Le coelactes sont un genre de poisson osseux marin primitif. Vrai ou faux? Non, mais tu dirais faux. Là-dessus, tu dirais faux. Coelactes. Ouais, ça sent le poisson. Ouais. Ouais. Bon, vas-y, dis vrai, vrai. Bonne réponse. Yes. Ah, tu vois. Et ma boîte. Alors, vrai ou faux? Les borbornes. Borbonnes sont des homomatopées dans la bande dessinée. Des onomatopées. Des onomatopées. Les borborignes. Ah bah non, il a changé. Les borborignes. Alors là, on n'y comprend plus rien. Les borborignes. Borborignes. Non. Non. Onomatopées. Direct, non. Faux. Bonne réponse. Ah oui. Non, mais on est vraiment bon. Oui. Le verbe pronominal se carapater sert à décrire l'action de tortue qui entraîne la tête et les pattes dans leur carapace. C'est vrai, hein. C'est faux. Oh, c'est faux. Je le savais. Merde. Carapater. Alors attends, sel. Tequila, c'est tout. Sel sur. Faut flécher la main. Ouais, je crois pour que ça tienne mieux. Allez, t'es prêt? On fait un. Allez, regarde la caméra. 1, 2, 3. Oh. Allez, c'est parfait. On peut enchaîner. Ok, vrai ou faux? Le mot badigouan signifie lèvre. Ah. Ok, non. C'est toujours. Badigouan. Badigouan. Non, je sais pas. Non, bon, bah comme tu veux, mais ça sera pas trop sûr. Ah, non. Non. Non, c'est non. Une bonne réponse. Ah bon. Oh, oui. Non. Bon, bah merci. Non, mais on avait juste envie de boire en fait. On s'embrassait avec la badigouane non plus. Oui, non. Ah. Ok, deuxième round. Les gens qui répondent correctement à la bonne réponse, ça sera l'équipe adverse qui devra boire le shot. On va tout boire. Yeah. Ça me brûle un peu le bide, ce truc. Vrai ou faux? Cacatoès est le nom donné à une variété d'arachides du Brésil. On va boire là. Cacatoès, c'est un animal. Vas-y. Bonne réponse. Allez. C'est un animal? Je sais pas. Ok, je sais pas. Les cacatoès. Bah, vous pouvez boire du coup. Hein. Bien sûr. Bon, bon, bah, allez-y. Hein. On boit. Ça va aller, non? Pas trop. À la santé. Santé. Crapahuter c'est conduire un traîneau de chien. Ah, c'est pour nous, attends, crois pas. Crapahuter. Crapahuter, c'est conduire un traîneau de chien. Crapahuter qui se traîne avec un quoi? Un traîneau de chien. C'est que le fait de conduire un traîneau de chien. Si tu crapes une dans la montagne, dans la forêt. Ça marche et tout, mais ouais, franchement, je pense pas. Là, je dirais non. On reste là-dessus. Moi, je pense qu'il faudrait écouter Paul. Ah bah attends, laisse Paul. Tu dis quoi? Attends, parce que tout à l'heure, on s'est fait avoir. Ouais. Laisse la concertation. Bonne réponse. Ah. Merci, vous pouvez boire. C'est quoi, c'est vrai? C'est faux. Bah, bien sûr que c'est faux. Bah oui, c'est un peu faux. Bah du coup on boit. Vous pouvez boire. Chier. Ah, qu'est-ce qu'on est bien sur un plateau comme ça, hein, en train de boire. Alors, vrai ou faux? L'anacolute est un parasite de l'estomac. L'anacolute. Colute, quoi? Gorge? Pas estomac. Colon? Ah ouais. Colute? Oui. Vrai? Vrai. Ouais. Mauvaise réponse. Non, oh non. Oh mince, ça reboit. Ça reboit. Et puis les doses de sel diminuent. Ah,
Ah, vous pouvez y aller, ça, y en a plein. Hey, hey. Ça va, là, ça va. Même pas peur. À ma gueule de boîte demain. Alors, on appelait Ouistiti Pompifico les soldats du pape durant la guerre contre les troupes royales italiennes. Ouistiti Pompifico. Franchement, allez, vas-y. Vrai. Mauvaise réponse. J'en peux plus. Allez, santé bonheur, comme on dit. Hey. Hein? Hey, mon Jean-Claude. Encore que le citron est agréable au début. Ouais, mais il n'y a plus le citron, je me suis trompé de morceau. Il n'y a plus grand chose à se mettre sous la dent là. Ouais, je m'en suis mis à côté là. Bon, allez, vas-y. Vous êtes prêts ? Le clafoutis est le bruit d'impact des petites vagues sur les embarcations. Non, c'est le clapotis, donc c'est... non. Bah non, bien sûr. Bonne réponse. Ah ! Allez ! En plus, tu as les doses de poney clafoutis. Là. Go ! J'ai pris trop de sel. C'est bientôt la fin. Vrai c'est pour ou eux ou c'est pour eux non, c'est pour vous. Pour nous. Je sais plus. C'est pour vous. Ok, c'est pour donc, nous. Vrai ou faux. Mais non, on vient de répondre. Non. Ça, c'était le clafoutis. C'était le clafoutis, donc c'est à vous de répondre. J'ai perdu, allons-y. Alors, vrai ou faux. Le patchouli est une plante aromatique. Ah non, c'est... Non. Aromatique dans quel sens? Cuisine. Ah, faut croire. Comme bah, il n'y a pas plus de détails que ça. Ah, je vais vomir, c'est sûr. J'ai envie de... Non, mais concentre-toi, il n'y a plus que deux questions. Ok. Oui ou non? Patchouli. Le patchouli, c'est pas une graine verte. Non, patchouli, genre c'est... Oh, j'en sais rien. Mais c'est des trucs avec ça. Alors, redis la question, parce que alors, c'est vrai ou faux, le patchouli est une plante aromatique. Vrai ou faux, il y a le deux patchouli. Choix. Allez. Allez, vas-y, c'est faux. Mauvaise réponse. Ah allez oh fallait dire vrai. Allez. Bon, mais pas trop de sel. Attends, je me sers du sel parce que tu sales trop, toi. Allez, on y va. Tu fêtes tes un an. Un an, carrément. Allez, okay. Dernière question. Vrai ou faux, Titicaca est le nom d'un grand lac au sud de l'Amérique. C'est ça. Yes, of course que bonne Titicaca, réponse. C'est merde, un lac. C'est encore nous. Terminé. Bon, je le fais avec vous parce que... Ah, la piquette de maintenant. Non, j'ai un verre entier. Un. Allez, à la grotte. Anneau un an. À la grotte, anneau un an. Allez, bon anniversaire. Bon anniversaire. Joyeux anniversaire. Oh, t'es un faible. Ah, je sais pas qui a gagné, mais bisous. Bah, c'est nous, hein. Je crois que c'est vous. Des chats.